passe, peut-être même une demi-volée, je ne l'ai pas aperçu à fond et impossible de récupérer la deuxième car en déséquilibre. Et oui, sous pression. Aïe, aïe, aïe. Oh là. Ça coûte cher. Oui. Double faute qui coûte très cher. Break 2-1, Henri Lecomte, service à suivre. Vous parliez de Wimbledon et de l'herbe pour Henri Lecomte. C'est un tournoi à Wimbledon qui lui réussit pas mal. Il est allé en quart de finale en 85 et 87. Demi-finaliste en 86, si ma mémoire est bonne. En 88, probablement aussi, non? Non. Ah non, non, non. Non. Alors qu'à l'US Open, il était en finale à Roland-Garros. Ouais. Ici. Alors qu'à l'US Open, il n'a atteint que les quarts de finale en 86. Et sur le plan psychologique qui concerne ce match, Michel, nous avons vu là comment un joueur de très haut niveau, et Dieu sait s'il est solide au niveau du mental, l'Allemand, nous avons vu comment avec 3 ou 4 coups exceptionnels, des coups un peu de génie, de la part d'un adversaire, un joueur de la taille de Michael Stirk peut perdre les pédales, provisoirement certes, en faisant une double faute, bien sûr, provisoirement, mais enfin, c'est tout de même un bel acquis pour Henri Lecomte, parce que à force d'avoir été mis un petit peu en difficulté sur son service, Stitch a voulu forcer son talent et est allé à la double faute sur une balle de jeu. C'est très très important comme indication pour Henri Lecomte. Lecomte qui a pas mal réussi à Roland-Garros, je vous rappelle qu'il avait disputé la finale en 88, battu par Mats Wilander. Il a été demi-finaliste en 86, battu par Michael Pernfors, qui a disparu très vite du circuit. L'année dernière, Henri avait été éliminé dès le deuxième tour par Korda. Par Vajda. Oh 15-0. À propos de Korda, dont vous avez parlé il y a quelques secondes, Michel, il convient peut-être de faire attention à ce joueur tchèque dont on ne parle pas beaucoup, car on ne l'a pas encore vu sur le central ni sur le 1 depuis le début du tournoi, mais c'est quelqu'un qui sait jouer au tennis, de même que Stich qui vient de réussir un retour de service parfait. Légèrement lifté le long de la ligne, imparable. Patrice Ajalloer, Georges Goven, Eric Deblicker, de gauche à droite. Bien servi, 3 jeux à Henri Lecomte. Un excellent service au bon moment. Ah, c'est vraiment le type de joueur qui convient parfaitement à Henri Lecomte. Il a un jeu plat, il a un jeu de service volé. Il commet des erreurs tout en faisant des points très brillants aussi. Donc